Vous vouliez me voir, amiral ? Ah, oui. Dites à vos hommes que je ne veux aucun contretemps. La démonstration doit se dérouler sans le moindre problème. Me suis-je bien fait comprendre ? Tout à fait, amiral. Ils seront prêts. Bien, vous pouvez disposer. Lord Vador, les rebelles sont à notre portée. L'escadron Sigma se tient prêt. Il n'attend plus que vos ordres. Parfait, amiral. Déclenchez l'attaque contre les rebelles. Rien sur les scanners, commandant. Bien reçu. Tiens la patrouille. Il n'y a rien par ici. Je crois que le secteur est sûr. On fait encore un passage et on retourne à la base. Bien reçu. Ne perdons pas de temps. J'ai pas trop envie de moisir dans ce coin sinistre. Un problème, Chief ? Tu voudrais me faire croire qu'un pilote de ton calibre aurait la frousse du triangle de Drayton ? Non. Il faut pas t'imaginer que je puisse croire au vaisseau fantôme. Mais il faut bien admettre qu'il s'est passé des choses bizarres dans le secteur en 40 ans, depuis la bataille de Drayton. Mais qu'est-ce que... Je suis touché ! Super mon stabilisateur ! Qu'est-ce que tu fous ? Lord Vador, il est clair que nos unités se sont très bien comportées au combat. En fait, je pense que l'ensemble du projet est particulièrement impressionnant. Bientôt, je vous assure que nous tout verrons... Tout ce que je vois, amiral Sarn, c'est un essai de plus. Et rien, je ne serai pas convaincu tant que je n'aurai pas tous les moyens à ma disposition pour écraser l'Alliance Rebelle. Je ne le reçois pas, commandant. Vaisseau en difficulté, répétez votre message. La liaison est parasitée. Je répète, ici cargo transporteur corallien. D'attention, secteur d'Atreo. Nous avons découvert des informations vitales pour l'Alliance. L'Empire des... Une arme nouvelle. Dark Vador veut l'utiliser pour détruire l'Alliance. Répétez votre message, Corellia. Ils montent à bord. Ok les gars, la sieste est terminée. Repérez les vaisseaux impériaux sur vos scanners. Trop tard, ils nous ont déjà localisés. J'ai repéré une formation importante de TIE Fighters sur mon écran à 0,4. Ils viennent droit sur nous. Mode attaque. Paraît à changer de mode. Passez à 2,9.4. Et j'ai un drôle de pressentiment à propos des tailles qu'on a rencontrées. Je sais, moi aussi. Je ne vois pas comment ils ont fait pour venir jusqu'à nous à cette vitesse. C'est peut-être pas si faux ce qu'on raconte. Commence pas à délirer avec tes histoires de chasseurs fantômes. C'est pas vrai. Vous les bleus, vous croyez tout ce qu'on vous dit. Merde ! Je reçois un signal de détresse. Et c'est sur un canal civil, c'est peut-être... Signaler. Sauf les tiques et les rats des sables. Bien, ouvrez l'œil. Un vaisseau rebelle s'est écrasé dans le secteur. Il n'y a sans doute aucun survivant, mais on ne sait jamais. À vos ordres. Thank you.
Nous avons achevé les préliminaires. Dans moins de 12 heures, nous déploierons la flotte sur Indar où elle se préparera à réduire à néant toutes les forces rebelles. Parfait. Je suis impatient d'assister à notre victoire. Mettez le cap sur Indar Alpha. Récupérer le journal de bord du cargo transporteur corélien. Nous pouvons maintenant visionner l'intégralité du message de détresse envoyé par son pilote pendant l'attaque. Écoutez bien. Nous avons découvert des informations vitales pour l'Alliance. L'Empire dissimule un complexe minier dans la ceinture d'Ara. Il transforme le minerai d'oridium qui lui sert à fabriquer une arme nouvelle. Quoi qu'il en soit, Dark Vador veut l'utiliser pour détruire l'Alliance. Nous n'avons pas beaucoup de temps, patrouille rebelle. Monte à bord. Notre flotte est en alerte maximale et nous allons déployer une unité d'assaut dans la débuteuse de Brighton. Sur l'objectif, explorer la ceinture d'Ara. Découvrir le complexe impérial et réduire à néant sa capacité de production. À présent, rejoignez vos chasseurs. Et que la force soit avec vous. À toute la patrouille, ici Rascal 1, contrôle écran. Rascal 2, contrôle terminé. Rascal 3, contrôle terminé. Bien. Restez en formation. Pas de bêtises. Le secteur est truffé de mines. On va devoir se frayer un chemin au travers de ces astéroïdes et faire sauter les mines qu'on verra. On risque d'être secoué. Mais après tout, on est là pour s'amuser. Bien reçu, Merrick. On te suit. On a franchi le périmètre extérieur, mais la fête est loin d'être terminée. Mais vous n'en allez pas. Mais j'ai l'impression qu'on va s'amuser. Je vois toute une armada d'intercepteurs Thaï sur mon écran radar. Bien fait. Thomas,
failli me transformer en débris spatiaux. C'est mon boulot, Rocky One. Mais l'espace est assez pollué comme ça, non? J'ai repéré une importante structure sur l'un des astéroïdes situés dans notre trajectoire. On dirait une sorte de centre de traitement des minerais. Mais je n'en ai jamais vu d'aussi gros que celui-ci. Enclenchez vos canons laser et suivez-moi. Neutralisons le circuit de refroidissement. Une fois détruit, le réacteur va surchauffer. Il ne faudra pas traîner dans les parages. Nous sommes dans un couloir d'accès. Attention aux navettes et aux carreaux. À la maison. Préparation pour l'hyperespace. Transfert des coordonnées de l'ordinateur de bord. Ces enregistrements de vol, nous avons pu identifier les agresseurs. Il s'agit de chasseurs stellaires VC. Ces vaisseaux sont dotés de capacités particulièrement impressionnantes pour des engins de cette taille. Ils sont capables d'échapper à toute détection radar ou scanner, ce qui les rend de fait totalement invisibles. Le mythe du triangle de Drayton est une couverture parfaite pour leur test. Avec une telle flotte à sa disposition, Dark Vador pourrait décimer nos effectifs en toute impunité. Reste à savoir quand il se décidera à nous attaquer. Depuis plusieurs semaines, nos services de renseignement nous ont signalé le niveau d'activité anormalement élevé de la flotte impériale. À la région de la planète Imdar et de sa Lune. Le vaisseau amiral Terreur se dirige vers Imdar. Nous pensons qu'il va déployer tout un escadron de V-38 fantômes. Mais nous avons décidé de les arrêter. Un pilote s'est porté volontaire pour rencontrer notre agent sur la planète Imdar. Ils vont s'infiltrer à l'intérieur de la base d'approvisionnement planétaire. S'introduire sur le Terreur. Ils vont apporter un vaisseau fantôme que nous étudierons. Avec un peu de chance, nous trouverons une parade avant qu'il soit trop tard. Rocky One, êtes-vous prêt? À vos ordres. Bien. Rendez-vous au QG. Que la force soit avec vous. Ici QG Rebelle, vous pouvez y aller. Ok, écoute-moi bien. Ici l'amiral Crane. Étant donné l'importance de cette mission, c'est moi qui vais te préparer. J'ai compris. C'est pas sorcier jusqu'à présent. Joue pas au malin avec moi, petit. Tu t'en tires pour l'instant, mais tu n'es pas aux commandes d'un joli X-Wing dans un chasseur impérial de modèle taille. Et si on a eu du mal à en capturer en bon état, il y a une raison. Ils n'ont pas de bouclier. Ils sont donc très vulnérables. Si tu veux t'en sortir, va falloir que tu penses comme un pilote de l'Empire. Et fais tout ce que je te dis. Attention à la tête. Bien, maintenant fais la même chose que moi. C'est magnifique, Rocky One. L'Empereur serait fier de toi. Retournons à la base. Les Y-Wings devraient être prêts pour ton voyage sur Indahar. Bonne chance. QG Rebelle, ici le commandant de l'escorte. Nous approchons d'Indahar. Objectif à 1.90. Mes systèmes sont opérationnels. Aucun contact à radar. Attendez. Les radars longue portée ont repéré un groupe de vaisseaux spatiaux à 723.4. Sûrement une escadre impériale. Bien sûr. Affirmatif, il y a bien 9, 10, plus d'une douzaine de chasseurs de type Inter. Ça risque de chauffer. En formation d'attaque Rex à gauche. Rocky One à droite. Aucun problème, je suis en position. Et voilà. Allez, restez en formation. On peut tous les avoir.
pas t'en tirer comme ça, je t'assure. Bien joué, vous deux. Rookie One, continue jusqu'à Seti 5-9-7. C'est à toi de jouer, après leur armoire repérable si tu es seul à passer leur bouclier. On se retrouve à l'endroit convenu après la mission. La force soit avec toi. Est-ce que c'est toi? Je ne m'attendais certainement pas à te retrouver par ici. Qu'est-ce qui t'a amené sur Après Indar? La bataille de Yharvin, on m'a affecté ici pour surveiller les activités de l'Empire. J'étais sûre qu'il se préparait quelque chose dans le coin. Mais je n'ai découvert l'existence des vaisseaux fantômes que ces jours-ci. Je crois que nous n'aurons pas de difficulté à utiliser une de leurs navettes. Mais il faut passer les marais si on veut accéder à la plateforme. Alors on ferait bien de se dépêcher. Le vaisseau amiral ne va pas tarder. Et il faut atteindre la plateforme avant que Vador lâche ses chasseurs. On ne pourra jamais éviter ces gardes. Tu veux qu'on fasse un pari? Les gardes vont dormir longtemps, à ton avis? Ils reviendront à eux dans quelques heures. C'est étrange. Les coordonnées sont correctes. Où se trouvent-ils? Centre de contrôle, ici navette cargo Epsilon 4. Demandons l'autorisation de nous poser. Transmettez votre code de sécurité, Epsilon. Exécution. Autorisation accordée, Epsilon. Approchez par le secteur numéro 3. Bien reçu, contrôle. Transmission terminée. Équipe de manutention, secteur d'affrontement numéro 3. Équipe de manutention, secteur d'affrontement numéro 3. C'est bon signe. Pour l'instant, tout bête. Eh bien, nous y voilà, deux espions rebelles au cœur d'un vaisseau amiral de la flotte impériale. Un de ses plus beaux fleurons. C'est génial, tu trouves pas? Tu es prêt? Tu serais pas un peu petite pour un Stormtrooper? Écrase, tu veux? Attendez un peu, vous deux. Que faites-vous par ici? Il faut une autorisation spéciale pour accéder à ce secteur. Nous avons ordre de patrouiller la zone. Il y aurait des intrus. Je n'en ai pas été informé. Qui vous a donné cet ordre? Où sont les hangars? Hey! Alerte rouge, intrus à bord, pont numéro 4, section 14. Je répète, alerte rouge, intrus à bord, pont numéro 4, la section 14. La porte est verrouillée. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, on devrait pouvoir l'ouvrir en manuel. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Improvise.
passer par là. Vous deux, continuez. Et vous, suivez-moi. Y'a personne? Ils ont dû filer au niveau M. Seigneur Vador, les dernières manœuvres sont terminées. Alpha Control est prêt à exécuter vos ordres. Très bien. Et nos chers passagers clandestins? Nous les avons perdus pour l'instant. Déclenchez alerte rouge sur tous les ponts. Doublez toutes les patrouilles. Cette fois, personne ne nous arrêtera. Il est encore plus sombre que dans le ventre de Sarlacc. Active ton système infrarouge et dépêche-toi. Ils sont sûrement pas loin. Regarde où tu marches. Ils sont à nos trousses. Occupe-toi de ceux qui sont devant. Je couvre tes arrières. Pas moyen de se planquer. Il va falloir les éliminer. Bien, avance. Où se trouve le hangar? Par ici, je crois. Non, attends, c'est par là. J'ai comme qui dirait un mauvais pressentiment. Je crois que je les ai eus. Le chemin est bloqué, il va falloir faire le tour. Bien reçu, je suis juste derrière toi. On est sous le hangar de maintenance. Il faut atteindre l'étage au-dessus. Il y a un monte-charge sur la gauche. On n'est plus très loin. Par là! Quelqu'un descend. La sortie est par là. Allons-y. J'espère qu'il n'y a pas de comité d'accueil. Soldat! À vos ordres. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose de suspect. À vos ordres, tout est calme, rien à signaler. Bien. Mais soyez vigilants. Si ça tournait mal, je veillerai personnellement à votre transfert sur une décharge spatiale où vous servirez pendant au moins 20 ans. À vos ordres, soyez sans crainte. Rien ne sera négligé pendant mon tour de garde. Très bien. Pour l'instant, ça va. Tu sais piloter cet engin? Oui, je crois. Voilà, ça a marché. Et maintenant, voyons ce que ce zinc a dans le ventre. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ces vaisseaux ont déjà été réparés. Attention! Demi-tour, on sortira par la superstructure. On se dirige vers le réacteur principal. On s'en est sorti. Ouais, je calcule la trajectoire pour le point de rendez-vous. Mes scanners captent quelque chose. Je n'arrive pas à faire un point stable. Comment ont-ils fait pour être devant nous? Rocky, arme le canon laser. Ce ne sera pas facile. Les voilà! Impossible de les entendre. Ils deviennent visibles quand ils ouvrent le feu. J'active le champ d'invisibilité. Attends! Ça y est, il fonctionne! Les avaries sont considérables, Seigneur Vador. Le réacteur risque de surchauffer à tout moment. Dégagez le vaisseau du quai spatial! Impossible, Seigneur Vador. Les commandes du quai ne répondent plus.
Il va donc falloir que je parte seul. Ce sera votre dernier échec, amiral Sarn. Et vous n'aurez plus jamais l'occasion de vous tromper. Sort sûrement de là. Il doit y en avoir des milliers dans ce complexe. Si on ne s'en occupe pas, ce n'est même pas la peine de ramener celui-ci chez nous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il vaut peut-être mieux que tu ne saches rien. Contente-toi de t'accrocher aux manettes du canon laser. Ce complexe ne me dit rien qui vaille. C'est notre seule chance. Nous sommes arrivés. Bien joué, je te croyais pas à la hauteur. Merci, amiral. Je crois que l'Alliance te doit une fière chandelle. Maintenant que leurs fantômes sont tous détruits, l'Empire sera forcé de nous affronter à armes égales. Bravo, Rocky. Tu as sauvé l'Alliance. Moi aussi. J'ai survécu à des missions bien plus périlleuses. We'll be right back.
anéantit votre flotte invincible. Oui, Maître Suprême. Les rebelles se sont montrés d'une intelligence tout à fait surprenante. Mais nous ne sommes pas vaincus. Que va-t-on faire du vaisseau fantôme maintenant? Nos ingénieurs vont venir pour l'examiner. Et je suppose qu'ils vont adapter cette nouvelle technologie à notre flotte. Et comme nous avons détruit toute leur flotte de vaisseaux... C'est juste. Pour changer, l'Alliance Rebelle aura l'avantage sur l'Empire. Si nous devons reprendre le combat...